Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau let's play sur Victoria 3. Alors ce let's play a été filmé sur ma chaîne Twitch, Léviathan61, voilà, n'hésitez pas à passer de temps en temps. Je n'ai pas d'horaire précise, donc si vous me voyez, c'est tant mieux, sinon bah tant pis, c'est pas grave. On va découper les épisodes en environ une demi-heure. Alors j'ai pas fait l'annonce à chaque fois, voilà, merci, on se retrouve pour le prochain épisode, etc. Peut-être qu'on fera ça pour les prochains, on verra. Le but de cette petite série va être d'avoir le succès Luxe Luxembourg, avec Luxembourg bien évidemment. Donc en gros, c'est être premier producteur de meubles de luxe, de vêtements de luxe et de porcelaine. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Alors, le succès Luxembourg, on va essayer de se le faire. Non, elle est où la page des succès? Attendez, voilà, couper le son quand même. Alors, le succès ici. Avec Luxembourg, je sais pas. Je sais pas quelle difficulté, difficile, ok. Alors, en commençant avec le Luxembourg, devenez le premier producteur de vêtements de luxe, de meubles de luxe et de porcelaine. Petit récapitulatif, Luxembourg, population 175 000, voilà. Au niveau des bâtiments, il a rien, enfin il a du blé et des bétails, du bétail. Et surtout, on est pays fantoche, enfin mariage, machin, des Pays-Bas. Donc on est lié forcément direct à ces routes commerciales. Sauf que là, il y a le marché belge, et là, il y a le marché prussien, donc on n'est même pas en lien. Donc l'accès au marché du Luxembourg, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. On peut le voir là dans les listes des marchés là. Accès au marché 0%. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on retire hein, déjà. On veut notre indépendance. J'avais réussi à le faire une fois, je sais plus comment. Merde. J'ai réussi à le faire une fois en partie de test. Je sais plus exactement comment je m'y étais pris. Indépendance dans tout là, on peut pas. Ah ouais, les relations sont trop bonnes. Putain, on va expulser les diplômes. Au niveau techno, on va avoir besoin de la tour pour tout ce qui est atelier de teinture. Usine de textile. Manufacture de meubles et verrerie, on n'a pas trop le choix. Enfin, on a le choix, mais ce sera mieux. On aura plus de production et on fera toutes les technologies qui découleront aussi du fait qu'on ait besoin de moins de main-d'œuvre. Parce que, comme on voyait tout à l'heure, population 115 000. Paysans, on a 30 000 paysans. Autant dire. C'est de la merde. C'est vraiment pas ouf. On va améliorer nos relations avec la France qui est là et la Belgique, comme ça, sur deux des pays adjacents. On peut s'éviter tout possible problème au niveau de la politique. On est une monarchie autocratique. Ségrégation raciale, c'est dommage parce qu'on va vouloir avoir le plus possible de migration. On a besoin de main-d'œuvre. C'est bête, hein, mais. Enfin, c'est bête, j'en sais rien. En gros, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, on va attendre que les relations passent de agréable à neutre avec les Pays-Bas. Et là, je vois que j'ai un petit peu plus d'argent que nécessaire. On va diminuer les taxes et on va bien payer les soldats.
Même si ça ne nous sert à rien de payer les soldats, plus. Mais on va juste avoir... plus, voilà, ils vont être un peu plus contents. Autre facteur, vous voyez tout en bas. Plus 5 en raison de salaire militaire très élevé. Ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'autorité, ce qu'on peut faire aussi, c'est... on va augmenter l'élite intellectuelle, on va en avoir besoin. Et... ah, il n'y a pas. Ils sont pas encore là, ils doivent être dans les groupes d'intérêt marginalisés. Les industriels, voilà, on va les renforcer. Au niveau des décrets, on va faire promotion sociale. Je crois que l'entretien des routes, ça va être assez important, assez vite. Et... promotion de l'industrie de manufacture. Ça va pas nous servir de suite, mais bientôt, très bientôt. Ok, les relations vont passer de agréable à neutre. Donc indépendance, voilà, je veux mon indépendance. Et pendant ce temps là on va faire meubles, textiles et verrerie. On va accélérer. Voilà, c'est une petite partie de chill. Hein. Je compte pas conquérir le territoire ou autre. C'est pas mon but. Mon but, c'est de rejoindre un marché puissant. Donc que ça soit le marché prussien ou le marché français, et je pense honnêtement plus que je vais rejoindre le marché français qui est plus fort, surtout en début de partie. Bon, après en général il pète un peu des câbles à cause des rébellions, etc. On verra, on changera au besoin. Alors là, pourquoi je ne risque rien? Tout simplement bah, parce qu'il n'a pas accès. Hein. Comme moi, j'ai pas accès à son marché, lui, il n'a pas accès non plus à mon pays. C'est tout. Là, il y a juste à temporiser. Dans le sens où... il a moins de soutien. Pourquoi il a moins de soutien? C'est une bonne question. Il y a de l'épuisement. Oh la vache, oh, il y a un paquet d'épuisement. Il a beaucoup d'épuisement. Au niveau des radicaux, il est pas... Il y en a à peine plus que moi. J'en ai 800 et des poussières pour l'instant. Ah, le fait aussi de baisser les impôts, là, moins 20% de radicaux. Et plus 10 de légitimité aussi. C'est vraiment pas mal. Au niveau des lois, on fera passer les lois qu'il faut. Est-ce que j'en ai? Là, on est en imposition par tête. Ouais, on n'est pas dans le bon sens. Enfin, pas dans le sens qui me va. On a force de police locale. Je vais partir sur force de police spécialisée. Comme ça, j'aurai moins de puissance des propriétaires terriens. Hop, vert. On va faire ça. On va faire la technologie du vert. Mais voyez, là je suis à 90, lui il a. Il a rien. Bon, par contre, pour avoir mon indépendance. Il va falloir attendre un petit peu plus. Je suis encore à 88. Plus j'ai rien de. J'ai aucune armée de levée. J'ai 3 bataillons conscriptibles, mais c'est pas intéressant. Vu que j'ai pas besoin de le faire, je vais pas partir là-dessus. On va quand même un peu se méfier de la Prusse. Parce qu'elle va peut-être bien vouloir former l'Allemagne. Et on rappelle, on fait partie des états des états allemands. Et si jamais ils tentent une petite unification, on est dedans. Alors on peut en théorie la faire, mais non, on la fera pas. Mais faut faire gaffe à ce qu'on soit pas rattaché à l'Allemagne. Et il me semble que une fois ce que j'avais fait,
c'est que j'avais donné mon vote ou l'approbation à une des deux, à un des deux candidats, donc qui sont en général c'est l'Autriche et la Prusse. Et en fait, je m'étais retrouvé annexé comme un couillon. J'étais en mode ah bah mince, pas ma partie est finie. Très bien. Alors, un discours de routine prononcé, ouais, bon, discours raté, moins de popularité, petite bourgeoisie, attraction du groupe d'intérêt, énorme moins, c'est parfait. Bon, c'est dommage pour la probabilité de succès de promulgation de la loi, mais en vrai. Alors, nous acceptons, bien évidemment, alors, on a notre indépendance. À peine l'indépendance signée que on va vouloir se rattacher non. On va vouloir se rattacher à la France. Bon, surtout au marché français en fait. On veut soit adhérer à l'union douanière, mais là ça va être plus compliqué, soit devenir un protectorat. Et là il aura juste à avoir une attitude protectrice. Donc on va augmenter un peu nos relations pour ça. Actuellement on est en agréable, on va voir si on peut l'augmenter un peu plus. Et dès qu'il sera en attitude protectrice, il voudrait bien nous prendre sous sa tutelle. En attendant, on a commencé la construction des bâtiments de type textile, manufacture de meubles et verrerie. Sur le marché français, on trouvera de la soie normalement. Voilà. Il n'y a pas de soie? Non, c'est pas au bon endroit. Ouais, on trouvera de la soie. On trouvera aussi normalement du plomb. Et des planches. Parfait. Donc, on trouve les trois productions. Enfin, on trouve un peu toutes les matières premières qu'on peut pas vraiment produire. Là, on voit, on a deux camps de bûcherons. Bah, ça ira très très doucement. Si jamais on veut produire, on produira pas assez, hein, clairement. Et surtout, on n'a pas de soie, on peut pas importer autre que sur les marchés aux alentours. Donc, honnêtement, tant qu'à faire, autant se rattacher au marché français. Là, on peut, juste en attendant que nos relations s'améliorent, importer un peu de bois. C'est pas rentable, mais en soi, au moins nos entreprises commenceront à tourner. Voilà, elle est toujours prudente. Pourquoi prudente? Ouais, elle a rien de bien. Ouais, elle a rien de particulier. Elle s'en fout un peu de moi, en fait, je pense. C'est surtout ça. Ouais. Ils sont pas désintéressés. Alors on pourrait entrer en protectorat avec la Grande-Bretagne. Mais pareil, on n'a pas accès au marché en fait. Premier temps, c'est que là on a le marché belge autour de nous, le marché prussien, le marché français. Et ça ferait que décaler le problème. Tiens d'ailleurs, oh bah, une dévastation on dit. Ah, j'ai bien fait de quitter le marché des Pays-Bas. Déjà que j'y avais pas accès. En plus, c'est le feu chez eux. au niveau de la loi, elle veut vraiment pas passer. Hein. Bon. On va temporiser. Prudent, prudent, toujours prudent. C'est fou ça. On va arrêter de dégrader les relations avec les Pays-Bas. C'est pas important de dégrader plus. Je pourrais même les réaméliorer en soi. Allez. Voilà, le but c'est tout simplement d'avoir des bonnes relations maintenant avec un peu tout le monde. Et surtout avec eux, mais je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que. Ouais bah ouais pourtant, intérêt déclaré pour le Rhin. Vu que je suis dans la zone du Rhin. Bizarre cette histoire. Moi, c'est pas grave. Ah. C'est que j'ai pas pensé à ça, c'est que j'ai fait les bâtiments, mais vu qu'il n'y a pas assez de matériaux, pas assez de demandes, les gens ils se font embaucher, ils se font virer.
qui fait qu'au niveau des radicaux, ça les augmente un peu. Pour être envoyé des bâtiments, j'en ai 1000. On est sur à peu près 10% des radicaux qui se font un peu virer. Ouais, bon d'accord, bon, la loi elle veut pas. La loi elle m'a dit non. Et pour l'instant on voit y a pas grand chose d'autre. Hein. Alors c'est bien, c'est que les propriétaires terriens là ont perdu presque la moitié de leur influence. Ok, j'exagère un peu. Ouais, ils étaient vers 36%. Ils ont perdu déjà plus de 7% de leur influence. On profite un petit peu de l'élite intellectuelle. Ah, surtout on profite de l'église catholique. Bon, ça pour l'instant il m'embête pas, donc c'est pas trop un problème. On va continuer les technologies. Donc là, outils mécaniques pour manufacture de meubles. Et ça nous donnera aussi la route pour les chemins de fer. Pourquoi les chemins de fer? Parce qu'en infrastructure, on a que dalle. Et j'ai entretien des routes, donc j'ai plus de 25% là. À 11, plus 25%. Donc ça va très très vite. C'est un délire. Ce que je ferai aussi en fin de partie, c'est. Enfin, quand j'aurai plus assez de travailleurs, c'est que. Voilà, on fermera la caserne. De toute façon, je pense pas que ça serve à grand chose. On retirera l'élevage de bétail et la culture de blé également. Ils sont toujours prudents, eux. Ça m'arrange pas. Hein. Je peux pas contracter une obligation. Même avec une obligation, ils veulent pas quoi. Alors là, si le plan il marche pas, c'est la galère. Bien faire une alliance, un accord commercial, mais ça va pas vouloir. Là je suis au max avec eux. Ils sont prudents. Comment ça 49? Ah, moi j'avais amélioré jusqu'à 50. Ah ok, ça doit être un petit bug encore. Hein. La Prusse, prudent. Mais prudent de quoi? J'ai pas d'armée. Bon, on va voir si ça va les aider. Si je retire ça. Coopérative, ok. J'ai retiré tout ce que j'avais déjà dans mes forces armées. Ils sont devenus coopératives. Ils ne toujours pas. Hein. On va essayer, hein. Sur un malentendu, adhérer à l'union douanière. Pas décliné, forcément. Et là, ils acceptent toujours pas. C'est fou, ça. Réticence de base, ah, ils sont coopératifs mais ils sont pas protecteurs. Alors après, est-ce que je suis purée, mais même eux ils sont protecteurs. Ah, j'allais dire, peut-être qu'il y a qu'une seule nation qui peut avoir le titre de protecteur, mais non, pas du tout, pas du tout. Là je peux avoir un protectorat. Regardez, c'est attitude britannique envers nous et protectrice. Mais bah, le marché il est loin. Et si je dégrade un peu mes relations. Ah ouais, bah non. On a zéro en plus avec la Grande-Bretagne, donc c'est même pas que nos relations sont trop bonnes avec la Grande-Bretagne et que du coup la France est un peu jalouse en mode ouais, nina. Ah non, que dalle, c'est vraiment ils veulent pas. C'est fou ça. Bon, c'est pas grave, on va faire passer un peu de temps.
Et on va croiser les doigts tout simplement pour qu'il ait une attitude protectrice. Déjà, on s'est amélioré. On est coopératif. Au niveau de l'infamie, normalement, je suis pas censé en avoir. Ouais. Ah, faut peut-être attendre la fin de la trêve. Quoi, c'est novembre? Ah ouais, on y est bientôt là. En janvier. On va voir en vrai, c'est vrai qu'avec avec la fin de la trêve, ça marcherait peut-être mieux, on va voir. C'est jamais sûr, on m'a entendu. En attendant, on continue d'améliorer les relations, hein. Il n'y a pas de temps à perdre, comme on dit. Grande-Bretagne, Autriche, Bavière, quand même trois puissances assez dominantes dans le coin. Profite du fait que la Prusse ne soit pas encore unie sous le drapeau allemand pour devenir assez puissant et éviter de se faire bouffer. Même si en soi, je sais même pas si on pourra vraiment éviter de se faire bouffer lorsqu'ils se décideront à former, je veux dire, l'Allemagne. Au niveau du budget, c'est trop bien. Putain, ils ont la belle vie quand même. Hein. L'impôt est très bas. Les salaires sont très élevés. C'est magnifique. Je vais aller y habiter, moi. Mais on a nos trois industries principales qui tournent pas. Hein. Ça, comme je l'expliquais. Putain, par contre, les radicaux. Ouais, pour être envoyé des bâtiments en 2000. Ouais, ça commence à faire. Ils sont toujours coopératifs, ils veulent pas. Hein. Donc on rappelle le succès, c'est être premier producteur de vêtements de luxe, premier producteur de meubles de luxe et premier producteur de porcelaine. C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est un défi qui est classé difficile. Difficile ou très difficile? Ouais, il doit être difficile seulement. Ouais, difficile. Luxueux Luxembourg. Après, il y a quoi? Il y a... Très difficile. Ouais, bon. Forcément. Si on part sur du très difficile, là, ça va être plus compliqué. On a la technologie, outils mécaniques. On va partir soit sur les chemins de fer, soit sur... planche chimie optique. Non, je préfère partir sur les chemins de fer pour le moment. On fera le blanchiment optique juste après. Et on partira sur atelier mécanique en troisième. Ah, je vais peut-être avoir besoin de faire conserve Uriao. Coopérative. Ouais, toujours pas. Protectrice, ouais, c'est bien, mais. 125! Ah oui, c'est parce que j'améliore les relations. On devrait arriver à 150. Au niveau des entrées journal, religion, autocratie, nationalité, ouais, bon, classique, quoi. Ah, ils sont en train de remonter, les salauds. Bureaucrate héréditaire, etc. Ouais. Par contre, waouh. On va le réformer un coup, parce que... La légitimité, c'est pas ça, hein. Oh, bah... Ah, ouais. Petite bourgeoisie, on s'en fiche. Voilà. Là, on va essayer de partir sur des... Ah ouais, mais... La probabilité que la loi passe, elle est pas énorme. Je partirai bien là-dessus également. Là, je l'avais essayé, hein, mais... En soi, c'est la loi qui a le plus de probabilité de passer. Il faut que je la retente. Là, je suis à 19%. Là, faut que je continue. Hein. Faut que je continue à essayer de la faire passer, cette loi. Surtout que, ah ouais, le fait aussi qu'on soit coopératif, c'est peut-être... Ah, je suis en train de vérifier, mais...
peut-être du fait aussi qu'on n'a pas les mêmes idéaux, je sais plus, politiques ou un truc à la con comme ça. Parce qu'on est cordial, souhaite protéger. Peut-être ça parce qu'on est une monarchie, donc on est plus proche par rapport à ça d'Angleterre, gouvernement de Sa Majesté. Alors que là, ça doit être une... Ah bah non, c'est vrai. Non, c'est vrai, en 30... Vous savez qu'en 36... Eh ouais, c'était redevenu une monarchie. Ah merde. J'avais zappé ça. C'est quoi, c'est le... En 36, c'est quoi, c'est... Second Empire? Je sais pas si... Non. Non, c'est plus tard, le Second Empire, je dis de la merde. C'est quoi, c'est pas un Louis XVII ou un Louis XVIII ou un truc comme ça à cette époque-là? Bah attends. Il suffit d'aller voir, je suis con. Qui est à la tête de ton gouvernement, toi? Un Louis-Philippe. Ah. Oh la vache, 70 balais. Tu joues. Ah, on peut améliorer nos relations encore, on a donc de l'influence qui est disponible. Oh, c'est passé du premier coup. Oh, la chance. Oh, oh. Oh, la chance. Trop bien. Alors déjà, on va avoir moins de radicaux, moins de pénalités engendrées par le degré d'agitation. On affaiblit les propriétaires terriens, ça c'est bien. Oh, le coup de bol. Oh. T'as du... Comme ça, elle est passée à 20 et quelques pourcents. Moi, oh, j'adore. Là, on a une religion d'État. On va essayer de la retirer. On va faire passer en deux temps. Scandale religieux. Ah, oh, bah, parfait. Le peuple doit savoir pour sa dépravation. Merde, je suis pas sûr d'avoir bien lu. Bon, problème étant, on a nos usines qui ne tournent pas. On importe du bois, je crois. Mais nos meubles, ça vaut rien, donc on va exporter. On va exporter sur le marché. Sur le marché prussien, c'est un bon prix. On va importer. De la soie du marché français et on va exporter des meubles de luxe. Donc tac, couture artisanale, outils de précision, non je peux pas faire outils de précision. Ça me demandait des outils que je vais pas pouvoir avoir au niveau de l'importation. On va demander du bois dur sur le marché prussien. Et on va exporter quand on aura les vêtements de luxe sur le marché qui sera le plus propice. Ça me fait un moins 15 au niveau de la bureaucratie. On va être à pouille à limite. C'est pas grave. Soit on a un bon solde, coopérative, on fait du commerce avec. C'est vrai que le fait de commercer aussi avec lui, il sera un peu plus content. Voilà. Et là, on va pouvoir exporter, on va prendre le marché français, histoire d'avoir encore plus de d'interactions et qu'ils soient un peu plus contents et tout ça. Et déjà, normalement, voilà, j'ai ma manufacture de meubles qui commence à être productive. Mais je n'exporte pas les meubles de luxe. Apparemment, je consomme tout sur place. Trop bien. Ah ouais, tous mes vêtements de luxe sont consommés sur place. Oh, c'est parfait.
Bah. Ah, entente cordiale. Bon, ils acceptent toujours pas, mais c'est mieux. Si je leur propose une... Un techno militaire, on s'en fiche. Je leur propose un accord commercial avec une obligation. Parce que là, il y en a combien? Moins 15. La réticence, elle est pas énorme. Ah, le grand-duc a démontré l'intérêt. Oui, on va forcer ça. Hein. C'est pas très grave si l'élite intellectuelle elle est pas très contente. Elle est pas. De toute façon, elle a pas un. Mince, comment on appelle ça? Elle n'a pas un gros impact, elle n'a pas une grosse voix en fait actuellement, donc si elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. On va essayer un accord commercial avec... avec la France et avec surtout une obligation, on va voir si ça passe. J'ai l'impression que non. Pas de chance. J'ai l'impression que l'obligation, ça change pas des masses. Hein. Score d'acceptation, moins 16. Elle est où l'obligation? Ça compte pas? Dommage. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je peux pas venir m'embêter. Voilà, c'est tout. Je n'ai que ça à dire. Techno, la techno, la techno. Serverie se fait la recherche tout seul, c'est parfait. La diffusion de la technologie se fait sur conserverie. Donc on va faire blanchiment optique et une fois que ce sera terminé, on va pouvoir aller sur atelier mécanisé. On améliore nos relations avec la Prusse. On va les améliorer avec le Pays-Bas et avec l'Empire Ottoman. Comme ça, si jamais l'Autriche m'embête un peu trop, l'Empire Ottoman sera pas très très content.